Petit état des lieux du coup, qui est plutôt pour l'Allemagne dans la salle? Ouais. Et pour la team Ukraine? Ouais. Ah, c'est Ivan. C'est les mêmes gens qui crient. C'est les mêmes gens qui crient. Je sais pas me décider. C'est trop ça. J'adore Dimaga, mais je kiffe tellement Dieu. On peut les laisser caster à notre place, limite. Hein. On pose un micro au milieu, tu vois. Ça demande du six pool. En tout cas, c'est du zip ici qui est envoyé pour ce... Hop. C'est quoi? Là, on est à 2-1. Donc, pour ce quatrième match, on rappelle que si TLO gagne le match, eh bien, il apporte la victoire à l'Allemagne qui finira premier de groupe et qui irait, du coup, affronter la Norvège. Exactement, tout à fait. Si jamais... Ouais. Tandis que, eh bien, on rappelle que Dimaga, c'est la dernière chance de l'Ukraine, hein, le dernier joueur présent. Et pareil, s'ils gagnent, ils arrivent aussi en finale. Hein. C'est la même chose. Hein. Ouais. C'est la même chose. Donc les deux joueurs ne sont pas partis sur un six pool, désolé, ni sur un deep pool, ni sur rien du tout. Ça part pas cheese dès le début. Ça a l'air de partir plus ou moins macro. Plus ou moins, après, hein, c'est du ZVZ, donc on peut jamais vraiment savoir. Pas de cheese de départ pour aucun des deux joueurs. At first pour les deux. At first pour les deux, ouais. Ça se respecte. Ça va partir sur un build plutôt, je dirais, dans le standardisme. Ouais. Et on va la jouer à la micro-gestion. À voir si ça va enchaîner direct sur du Zerling Badling ou si on va viser plutôt du Roach ou du Muta. Pour l'instant, les deux joueurs là qui se jaugent, Tielo et Timaga, qui doivent se connaître quand même. Hein, ah bah, bien sûr, bien sûr. Depuis belle lurette, c'est des anciens de StarCraft 2, des gens qui étaient là à la bêta, des gens qui se faisaient déjà un nom et qui ont vécu, on dirait, les tribulations. Tout à fait. D'un depuis pro la bêta, gamer bêtaïste. C'est genre, ça. Dimaga qui a été assez bien coté au début de Wings of Liberty et qui après voilà, a changé de team, a fait ses perfs, parfois a connu ses périodes de doute. Ouais, voilà. Et pareil, Tielo, un joueur qui était déjà très présent il y a déjà 3 ans et demi et à la sortie du jeu et qui est parti lui en Corée. Il a fait le choix de la Corée pour aller s'entraîner avec les grands. Avec les liquides, hein, et il s'est un petit peu relancé avec Heart of the Swarm. Il était vraiment en baisse de forme à la fin de Wings of Liberty. Et depuis qu'il est sur HETS, et ben, vu qu'il est créatif, ça se passe mieux pour lui. Au niveau des BO, on a vraiment deux BO différents, même si c'est une at first des deux côtés. C'est très important en Mirror's Edge de regarder les gaz. Donc on a Dimaga qui part sur un BO avec un gaz rapide, et Tielo qui part sur un BO sans gaz. Et ça fait toute une différence. Ça veut dire que Tielo va probablement la jouer en mode « je fais deux bases, je fais pas mal de queens, et je vais essayer d'aller très vite ». Sur le tier 2 avec les upgrades sans passer par la case pression Zerling et tous ces trucs là, alors qu'il est très possible que eh bien, le joueur bleu, donc Dimaga, mette des pressions Zerling Banling, ou alors qu'il se serve juste de ses Zerling pour faire du map control et prendre une B3. En tout cas, là on est vraiment sur deux orientations complètement différentes. C'est d'ailleurs possible qu'il pose une B3 maintenant, hein. Est-ce qu'il a scouté? Ouais, donc il est en train de poser B3, j'ai l'impression. Ouais. Donc B3, classique. Enfin, classique quand on a... C'est classique de poser B3 quand on sait qu'on va pas se faire punir. Ouais, parce que là, quand même, c'est assez rapide. Hein. Il n'y a pas le bata bending, il n'y a rien. Ouais, mais il sait que le mec en face, il est parti. Donc TLO, il est parti sur un BO sans gaz. Donc, que TLO ne peut pas punir. Ne peut pas punir Dimaga. Donc là, Dimaga, très bonne adaptation. B3 rapide. Et en macro. En macro, on fait du drone. Hein, et la seule chose qui lui permet de tenir le map control, bah. C'est que lui il a speedling alors que son adversaire ne l'a pas. Et du coup là Tielo il peut pas du tout poser B3. Ouais, petit avantage qui est pris par l'Ukrainien. Attention, s'il gagne cette game, on revient à deux partout, hein, et les dés seront vraiment jetés. Carrément. Dimaga contre Kass, je ne saurais dire qui pourrait être favori si jamais Tielo venait à tomber. Au niveau dronitude, on reste sur quelque chose de très très similaire, mais comme tu l'as dit, avec ce petit pari sur la troisième base de Dimaga. Tandis que Tielo lui est parti sur un truc plutôt de voilà. Base, hein, plutôt muta, j'ai l'impression. Non, double upgrade, ça c'est du double upgrade. Ah non, ça va être du roach. Voilà, c'est quand on fait un BO sans gaz comme ça avec du Cat Queen, c'est pour faire directement double upgrade roach. C'est en gros, c'est très très greedy sur le nombre de drones sur B2, pas partir muta,
Parce que si tu pars Muta, il faut faire un BO banling défensif avec donc le speedling et le bâtiment à banling. Là, c'est vraiment quand on fait un BO sans gaz, c'est pour faire du roach défensif et enfin des queens défensives et ensuite faire rapidement des roach. Donc là, les deux font un BO qui est tous les dans les deux cas c'est standard. Simplement, c'est pas le même. Du coup, il a une petite avance sur les upgrades, sur le tier 2, sur les roaches, tout court. Le problème, par rapport à son BO, hein, à Tialo, c'est qu'il n'a pas encore posé de B3 alors que Dimaga, elle est déjà là. Ouais, c'est ça. Il ne pourra pas s'empêcher d'avoir toujours un petit peu de retard sur ce coup-là et va devoir infliger Cloquet, Dimaga, qui est en train de prendre le large au niveau des drones et qui est en train de, et qui est pas loin derrière au niveau des upgrades non plus. Donc... Là, c'est Dimaga, une situation il a... tricky pour l'Allemand. Là, Dimaga, il a posé une B3 pour la montrer, mais cette B3, elle est destinée à être vue parce que là, il fait que des roaches. Il a arrêté son nombre de drones à 44. S'il avait voulu faire une B3 défendue par des roaches et jouer macro, il n'aurait pas arrêté à 44 drones, il en aurait fait encore plus. Là, il va vraiment mettre beaucoup sur la pression roach. Et ensuite, éventuellement, il fera des drones. Mais là, il mise énormément sur le timing push 1-1 avec les roaches, éventuellement des queens si ça peut avancer. Et voilà, cette B3, elle était faite pour être vue, pour que Dimaga il baisse un petit peu sa garde. Chose qu'il n'a pas faite d'ailleurs, puisqu'il a fait des roaches. Donc Dimaga qui va avoir son plus 1 d'attaque un petit peu plus tard. Et c'est parti pour le timing sanctionnant de Tielo. Ah, Tielo ici qui est bien, qui a quelques roaches. Mais surtout, beaucoup de rip-up en arrivant. 6 roaches encore en production pour le joueur allemand en face. On est prêt. On n'a pas de spine crawler, mais on a quand même pas mal de troupes. Dimaga qui envoie la transfusion qui est envoyée par Tielo ici. Oh là là, il n'y a toujours pas le 1 d'attaque du côté de Dimaga. Par contre, il y a beaucoup. Le problème pour Dimaga, c'est que Tielo, il a le speed. Les queens, elles ont servi à faire des transfus. C'est parti pour le timing push. Le problème pour Tielo, c'est qu'il y a quand même beaucoup de roaches qui attendent. Pendant que notre fan club Tielo commence enfin à faire entendre parler de lui. C'est ça tout à fait. Et Dimaga qui est en train d'envoyer la macro, qui a 10 de pop de plus, qui est en train de balancer les roaches et 24 Zergling en production. Il est en passe de ramener le crème à 2 partout, messieurs dames. Après une victoire inespérée contre Hero Marine, s'il arrive à sortir Tielo, ça remet tout dans la balance. Carrément, il est en train de remettre les compteurs à zéro. Par contre, là, le problème, c'est qu'il a fait beaucoup de Zerling et les Zerling se font one shot, enfin two shot plutôt. Et attention, hein, on engage. A-t-il le speed roach? Il n'a pas le speed roach, hein, Dimaga. Donc il faut, faut pas qu'il fasse le malin. Il est en train de poser une spine. Tielo qui ne refait pas de drone, il continue son agression. Cette B3, elle était juste faite pour être vue, comme on l'a dit. Et ça continue à balancer du roach 1-1. On a lancé le 2 d'attaque. On continue à faire des roach. Ouais, ouverture de concave ici. Ah là, la concave pas mal. Le piège qui est tendu à son adversaire. Cependant, ah, on a toujours un plus 1 de grade pour le joueur bleu. Et surtout, on a l'amélioration de déplacement des roaches qui permet plus ou moins de se marrer quand tu veux. C'est-à-dire que quand tu sens que ça n'est plus profitable, eh bien tu peux rentrer chez toi, attendre ton upgrade ou tes poteaux roaches. Alors que Dimaga, lui, il est plus dans une logique où il peut pas vraiment back et il doit subir les fights. Et du coup, Tielo, en très bonne réponse, il a lancé son 2-2. Donc il est en avance au niveau des upgrades. Et en plus, il a redroné un petit peu. Donc là, il vient de repasser devant, très légèrement, hein, mais devant, au niveau du nombre de drones. Enfin, ouais, 55 contre 48. Donc du coup, Tielo, il est en avance au niveau des upgrades ainsi que du nombre de drones. Petit retard au niveau du nombre de roaches, mais... C'est pas très très grave. Le 2 défense fait une grosse différence pour Tielo. Le 2 d'attaque est bientôt terminé. Donc clairement, le joueur allemand est pas mal dans cette game. La seule petit bémol, c'est qu'il a un peu moins de pop. 10 de pop de moins, mais bon, c'est juste des roaches, ça se reproduit vite. Clairement, Tielo est vraiment bien dans cette game. Avec ses pressions roaches bien maîtrisées, son redroning, je pense qu'il va faire un timing push sur le 2-2. Ah bah là, il sera très très bien, les upgrades. Oh, il s'est fait parasiter, du coup, sur un upgrade de plus 2, Dimaga. Oui, elle est bloquée. Tielo qui est vraiment au poil sur l'upgrade et qui, justement, comme tu dis, je pense qu'il a envie de faire son push là-dessus. Ah ouais. S'il arrive à avoir des roaches 2-2 contre des roaches 1-0, alors là, même s'il y en a 10 de plus côté de Dimaga, ça va juste pas le faire. Et je pense que... Mais ce sera le cas. Hein. Voilà, c'est ce qui va se passer. Des roaches 2-2, enfin pas forcément 2-2, 2-1 au moins, qui vont engager contre des roaches 1-0.
Donc on a deux upgrades d'écart déjà, bientôt trois. C'est vu de la part de Dimaga ici. Il sait que ça se déplace, il sait que la cloquette arrive, et il voit la masse de roche de son adversaire qui est là. Oh là 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 là, la masse contre la masse. Il y a pas 50 roches contre 46. Thiello qui en a quelques-uns de plus, mais ils sont sur la map en train de se déplacer. Oh là c'est là extrêmement là. Serré, les upgrades qui sont du côté des joueurs allemands. Et les upgrades qui font vraiment la différence, j'ai l'impression. Thiello qui est en train de passer dedans. Il est en train de passer, Thiello. Thiello. Ah, c'est chaud, hein, Dimaga qui remonte ici, qui bénéficie. Qui bénéficie de la proximité avec ses bâtiments c'est de ça. Production et qui du coup arrive à renverser la vapeur. Après au niveau des pertes, ça reste très serré, on est à 800 de pertes. C'est pas fini, hein, c'est pas fini, il a profité de l'avantage du défenseur pour avoir un backup rapide. Dimaga a 5 drones de plus, c'est pas énorme, ça peut faire une petite différence. Thiello continue à balancer des fournées et c'est parti, on va avoir un engagement de 2-2 contre du 1-0 encore une fois, c'est parti. Et il a encore une belle petite fenêtre ici sur ce coup-là. Il n'y a pas de upgrade chez son adversaire, mais finalement Thiello qui va décider de back et transiter sur de l'hydralisque. Ouais, de l'hydralisque. Hein. Il va pas finir là-dessus du coup. Il aurait peut-être pu tenter un dernier move sur la B3, mais non. Le joueur ukrainien qui a plus de population, mais vraiment au niveau technologique, il est derrière. Il vient à peine. Il est en train de finir son 2 d'attaque, donc 2-2. Contre 2-0 bientôt. Et en plus, il va y avoir des hydras dans la composition de TLO. Rappelons que les hydras, quand c'est protégé, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Hein, si jamais c'est au contact, ça se fait dépoper. Mais si c'est protégé derrière les roaches, ça va le faire. Et du coup, ça y est, on commence à produire des hydras. On manque un petit peu de Vespin côté TLO. Et Dimaga qui continue à faire du banling. Hein. Ouais, bah parce qu'il anticipe en fait la production d'hydras. On rappelle que les banlings, ça fait des extra dommages contre les hydras. Donc s'il arrive à faire venir les banlings dans les hydras, il aura tout gagné. Mais bon, rien n'est moins sûr. On n'a pas encore le speed banling de rechercher. Ça aide bien pour chasser de l'hydralisque quand même. C'est ça. Ça vient d'être lancé. Ça y est, donc Dimaga qui va jouer Roach Banling contre du Roach Hydra de Thiello. Et pareil, Thiello qui lance son bâtiment à banling. Attention ici, il faut que Dimaga le scoute. C'est vu, c'est largement vu. Et on ne sait pas s'il va vraiment y aller. Les deux joueurs qui se taunt et qui se testent devant la troisième base de Dimaga. Pendant ce temps, Dimaga qui a pris une quatrième base ici pour faire écho à celle de Thiello juste là. Ouais, tout à fait. Donc du Roach Hydra. On est en train de lancer le Speedra. Ça veut dire que bon, il ne va pas faire son timing push tout de suite. Les B4 ont été lancés des deux côtés au niveau du nombre de drones. On est comment ? Ouais, 50 et quelques contre 50 et quelques, à ce niveau-là, ça fait vraiment pas trop de différence. Ce qui me fait peur pour Thiello, là, c'est que Dimaga a banqué énormément d'argent. Dimaga, là, sur la reproduction, il a quand même 1000 et quelques. Ah, ça y est, il s'amuse à passer devant les 200 de pop. Regarde, des extracteurs tricks pour faire un 211 de pop côté Thiello. Thiello qui lui aussi fait des banlings, du coup. Ce sera un Gling Roach banling. Plutôt intéressant cette game. Avec de l'hydra. Ouais. Quoique l'hydra, on en a pas beaucoup, on en a 8. Avec quelques hydra, exactement. Et c'est parti. Oh là 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 là, le bordel. 30 banning produit par Dimaga. Oh là 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 là. Ah, la gestion qui va devoir être parfaite. Les deux capitaines d'équipe ici qui sont en train de s'affronter pour la place en premier de poule. Thiello pour l'équipe allemande qui vient dans la base de l'Ukrainien. Oh, il y a beaucoup. Oh là 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 là. Eh, banning trap. Oh, il met des banning trap. Hein. Oh, attends, il va la tirer. Il attire, il essaie de la tirer sur son banning trap. Ah, ça va être révélé par ce vigilant. Il a vu venir, Dimaga, il a pas été bête. Du coup, ça passe pas, il y a beaucoup de banning, les deux ont une banque énorme. C'est n'importe quoi cette game. Aucune idée de comment ça va se dérouler ici. Après, c'est sûr que ça donne envie de faire détonner toute cette petite grappe de banning à un moment donné. Oh, interception de la part de Dimaga ici. Oh. L'armée Thiello qui a l'air quand même assez menu sur ce coup-là. Même s'ils sont à 200 sur 213 pop. Henri Pop, Dimaga qui vient pour le kill. Oh, dur. Oh là 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 là, et Dimaga qui a l'air de passer. Ah, Dimaga qui vient pour le kill là. Qui va choper le Bataroach.
Et c'est une balle de 2-0. 40 autres sans production, mais 30 de l'autre côté. C'est la crise pour l'Allemagne. L'Allemagne qui est en train de se faire remonter par l'Ukraine. Oh là 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 là. Oh my god. C'est pas joué encore. Ouais. 200 de peuple contre 160 néanmoins. Dimaga qui fait le taf, qui fait plus que le taf. Il l'avait dit, de toute façon, il est là pour représenter l'Ukraine. Il est là pour envoyer du bois. Et c'est parti encore des grosses concaves contre des grosses concaves. Au niveau des upgrades, c'est très très proche maintenant. Il y a plus de roaches du côté de l'Ukraine. Encore 33 roaches pour l'Ukrainien. Et il a déjà prélevé la quatrième base de son adversaire ici. Il a déjà fait mal à Tiello. Tiello qui défend pour l'instant, mais qui doit back. Ah, Dimaga qui va apporter la balle de 2-0. De 2 à 2, pardon. On est à 200 contre 87 de population d'Imaga qui l'a fait, j'ai l'impression. Exactement, bah là c'est gagné un 200 de pop contre 93. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour le savoir. Une nuée de roaches sur la map qui va tenter de finir la B3 de TLO. Et TLO hein, qui doit être déçu, qui avait vraiment la game en main et qui finit dans le ravin finalement. Hein. Engagement donc des roaches sur la population d'Imaga. Ah, c'est le GG qui va être lâché là, il n'y a pas le choix. Ah, il y a trop, il y a trop. Et le GG! Dimaga. Dimaga chaleur quand même. Et il reste donc deux joueurs, Dimaga et Soke. Soke qu'on n'a pas encore vu du coup. Ouais, qu'on va voir jouer pour la première fois.